Bonjour à tous et bienvenue à notre deuxième épisode de France Culture 69. Je m'appelle Amir et avec moi c'est Lucas. Bonjour. En Paris, il y a plusieurs de choses qu'on peut faire. Nous présentons le Stade de Charlety, un stade très connu dans l'île de France. Lucas, où exactement se situe le stade? Le stade se trouve à l'avenue Pierre de Courbetin, qui est proche de la fondation Maison du Maroc, dans le 13e arrondissement. Amir, comment peut-on aller au stade Charlety? Avec le métro? Il y a un raid de tram presque au stade de Charlety, du même nom. C'est seulement possible d'arriver à cette station avec la ligne T3A. Il y a aussi une autre station du bus 21, la station Stade de Charlety, Porte Gentil. Et le stade est ouvert en fonction des événements et des sports souhaits. Tous les détails pour faire du sport au Charlety sur www.puc.asso.fr ou appelez plus 3 301 441 6 6 2 6 2. Le stade offre une entrée pour chaque événement individuel ou pour des activités sportives. Pour apprendre quelle activité se trouve au stade, recherchez sur le site www.puc.asso.fr ou appelez plus 330 144 1 6 6 2 6 2. Le stade est aussi adapté au handicap. Ça veut dire, si tu voudrais visiter le stade pour une journée de ton club préféré et tu es handicap, c'est vitement possible de venir en personne. Les clubs qui jouent au stade sont Paris FC, Paris Saint-Germain, c'est l'équipe des femmes, Paris University Club, c'est l'équipe du foot, et Paris Volley. Lucas, depuis combien d'années le stade existe-t-il? Le stade a ouvert en 1939, mais il a été démoli en 1989 et a été reconstruit et rénové en 1994. Le premier stade a été fait par l'architecte Bernard Zerfus en 1939. La deuxième version du stade a été faite par Henri Gaudin et Bruno Gaudin en 1994. Il y avait aussi d'autres événements spéciaux dans ce stade. Dites-nous en plus, Amir, s'il vous plaît. Avec plaisir. En 1994 et 2002, était la IARF Grand Finale a eu lieu au stade du Charlety. Aussi, la Ligue Rugby était en 2000 à ce stade. Pour faire ça, le Festival Olympique d'Europe a eu lieu au stade en 2003. C'était un événement d'athlétisme. Aussi, un événement plus libéral comme les Gay Games a eu lieu au stade en 2018. Alors, c'était notre présentation du Stade de Charlety. Au revoir. Bonne journée.